نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزوجي إن شاء الله شفيع إن شاء الله لتسمن نكونتيني Étant donné qu'on fait une annonce de nous une nouvelle, une personne malade. Ce n'est pas une question d'un démon malade, mais la maladie, les formes parties de la vie insane. Oh donc, de là nous dire de la loi dit et dans ce qui nous appelle Ahkam ul Marid, tout bon règlement qui est attaché avec un démon qui est malade. Afin que demain, si Allah subhanahu wa ta'ala intestine nous pour nous tomber dans une maladie, nous applique sa bonne petite chose. Parce que l'adoration à Allah n'est pas arrêté excepté avec l'amour. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Reste dans l'adoration de Rabb jusqu'à ce que la certitude vienne vers toi, mais jusqu'à ce que l'amour vienne vers toi. Qui fait, chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, parfois les malheureux, ou trouver un bon frère, bon soeur qui régulier les autres soirs, les autres namas, un moment je tombe malade, je n'ai pas fait namas. Croyant, qu'on est sale. Mais il est là comme on finit pour remplacer. Mais c'est mon mot là. C'est mon mot là qui m'offre. Donc ça bande quelque chose à nous qu'à trouver simple. Mais seulement l'ONU compte. Nous bande dernier namas qui est obligatoire l'ONU. Nous bande faire. Quand nous allons plier, aggrave nos situations. C'est que quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit explique nous demain quand tu es malade, qui te besoin faire. Nous pas fait cause pour ban les autres comme une nouvelle qui nous malade. Ça, on a fait droit pour nous, Inch'Allah. Mais seulement nous qui malades là, qui nous fait. Est-ce qu'il nous a posé question? Mais qui vous fait pour malade là? N'est-ce pas une nouvelle de ma zine? Écrire le tableau, ensuite. Moi, je remplace ça, frère. Donc, c'est pour ça qu'on dit nous continuons, Inch'Allah, l'autre semaine. Juste pour qu'Inch'Allah, demain, quand nous tombons dans une situation pareille, en même temps que nous, ben, frère, fait doua pour nous, mais de rester qui nous ici, nous vous a fait nos efforts tant qu'il nous va comme nous. Nous commençons par nous dire. Première petite chose que nous bien connaissons, c'est qu'il est malade, c'est pas une malade. Malade, c'est pas une malade ça. Non, mais qui vous dire là? Commencez-vous, commence comme ça? Parce qu'il est malade, il restait, qu'il m'a besoin de prendre moi de quelle façon? Que ça qui donne moi la santé? Causez. Mais que ça qui donne moi malade? Mais tous les devines depuis quand que ça n'a?
Est-ce qu'il y a là dans du monde du tout? Quand une culture saute depuis contre Allah, est-ce qu'il y a là où donne une mauvaise culture? Non, frère. Sa première culture qui me commence à cadrer moi, sa malade là, Allah même qui donne ça. Comme on récit comprend, Alhamdulillah, la maladie c'est Allah qui donne moi, quelle que soit maladie qui m'ouïna, en même temps me dit à moi, et n'a son guérison sa malade là. Faudrait pas nous laisser nous emporter pour qu'on découvre ce guérison ça, pour qu'on découvre une piquille pour lui. Une fois une personne vient avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit bien Rasoulallah, afin d'un tadawa, est-ce qu'il nous boit en médecine? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Naham ya Abdurrahman, oui, au serviteur Rahman, ma anzallallahu da'an illa anzal marahu shifa. Il n'y a aucune maladie qui Allah descend dans la terre, excepté en même temps il descend sur guérison. Nous qui pouvons découvrir. Donc, en tant qu'un croyant, nous ne pas capables de dire, nous pas capables de permettre nous pour dire, paye la guérison sans malade là. Impossible. Nous ne pouvons pas découvrir sur guérison. Parce qu'Allah ne peut pas descendre quelque chose qui paye dans sur guérison. Ça, nous croyons. En même temps que tu descends malade là, tu descends sur guérison. Deuxième petite chose, chers frères, de base, à chaque fois que tu es malade, même maladie qui peut amener la mort, nous restons avec ça l'état d'esprit là. C'est quoi? Même moi qui suis malade, je connais les vignes depuis Allah, prends l'île moi. Je suis besoin d'arriver à une petite église dans ce monde malade là. Prenez-le au moins. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam, quand il fait décrire avec son peuple, Allah subhanahu wa ta'ala, lui dit wa idha maridtu fa huwa yashfini. Quand mon malade il guérit moi. Il pas dire quand il donne moi malade. Pourtant avant ça, il dit alladhi yut'imuni wa yasqini. C'est lui qui donne moi manger, donne moi boire. Mais seulement quand il vit la maladie, il dit comme mon malade, il ne pas dire de mon malade là. Qui fait, chers frères? Parce qu'il entend une servitude à Allah, même qu'il vit depuis Allah, ne pas dire lui, voilà toi qui donne moi ça. Nous avons besoin d'un minimum respect. Tout est un objet dans des respects, respect. Respect à Allah, ce n'est pas quand on dit où. Vous ne connaissez pas, frère, quand il fait le doigt, voilà où donne-moi ça, voilà où donne-moi ça. Vous avez fait ou Dieu où? Je n'ai pas dire respect à Allah. Non, Dieu dit quoi? Parce que quand nous faisons un namaz, nous ne pouvons pas dire Subhanaka Allahumma, gloire à toi, mais nous ne pouvons pas dire toi. Nous ne pas manquer le respect quand nous tutoyons Allah, pas appel manque le respect ça. Nous ne pouvons pas dire Allahumma anta Rabbi, voilà toi-même mon Rabbi. Pas appel manque le respect ça. Mais le manque de respect divini quand on attache le mal avec Allah. Non. Parce que c'est le mal qui vous peut penser là, pour Allah, il du bien ça. Parce qu'en tant qu'une robe qui est juste, il est bien allé. Nous prenons un exemple. Si vous dites comme ça, vous trouvez toujours cause avec ça, il a toujours un petit précaution. Hein? Il y a un collier, il y a un mauvais collier à ça. Vous pourrez se nourrir, c'est oui ou non? Parce qu'il y a une caractéristique insane, un démon qui a une colère bien faux, vous pouvez se dire oui ou non. Il y a une plus colère qu'Allah. Allah a une colère oui ou non. Allah a une colère. Mais la cause va arriver à la masse. La cause va arriver à demander. Non. Allah a une colère pour ban qui mérite. Pas pour un oui ou un non. Pas pour un oui ou un non. En tant qu'un robe, en tant qu'un créateur, en tant qu'un Dieu, dans sa justice, l'Ibiza est dans sa partie collée là pour lui punir Banki. Banki n'est pas l'écriture. Sinon, imaginez-nous un professeur d'une classe, où il y a 20 élèves,
15 pour tout là-dedans, 5 pas pour tout pas faire des voix vidéo en retour. Ou bien tout les pareils là. Les temps vont coller avec ça 5 là. Ou un mauvais professeur ou en coller. Non, bon, justice, moi permets-moi pour en coller avec toi. Parce qu'il y en a 15 qui peut écouter moi dans la classe là. Justice Allah dit qu'il y a un droit et un coller parce qu'il pour ceux qui désobéit à lui. C'est pas le manquement dans lui ça. Les temps nous guettent. Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous concernant Adam alayhi salam dans le Quran, wa rasa Adam rabba ma'asiya veut dire péché, wa rasa Adam rabba, si on traduit littéralement il veut dire et Adam il fait péché envers son rabb. Ou quand une parole comme ça Adam est un prophète. Allah en tant que créateur, il y a quoi cause comme ça pour Adam alayhi salam, oui non. Mais nous, quand nous disons aujourd'hui, nous ne disons pas ça. Nous disons errer. Vous comprenez pas les vignes là? Donc, malgré qu'il vous connaît, c'est Allah qui donne malade là, mais connaît. Et puis, c'est un moment, il arrive moi là, pour mon gagner la fienza, pour me toucher, pour mon gagner la fièvre, pour mon tomber, donc, j'ai un moment là. Redemande moi à côté. Troisième question, chers frères, deuxième, sorry, quand on connaît tout, mais depuis Allah, même pour ce manquement-là, je suis obligé de moi-même quelle direction je vais prendre. Qui veut dire ça? Si demain, je tombe malade, tout le monde est malade, aïe Allah, aïe Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, aïe Allah, moi capable, aïe. Connais le bon sens. Parce qu'il voit qu'on prononce nous Allah. Mais il a dit, aïe, 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 aïe. Il n'est pas capable de dire aïe Allah. Il n'est pas capable de citer nous Allah. Il a dit, même dans son maladie, à Zanin de lui, il n'y a pas de tracas. Son amas. Et la dimoun, même dans son maladie, à Zan Poudonina, allez toujours, toi. Allez. Il y a qu'on peut conseiller les autres pour faire bon que Dieu. De son malade, là. De son malade. Et la dimoun, de son maladie, l'éloigné avec Allah. Donc, deuxième, demain, comme au malade, est-ce que sa maladie-là peut rapprochement avec Allah ou bien peut éloignement avec Allah? Si le rapprochement avec Allah, c'est un bon signe. C'est un blessing, ça. C'est un faveur, ça. Allah, il nous l'aime, on rapproche avec lui. Mais si sa même maladie peut éloigner moi avec Allah, Azan peut donner namaz, moi peut faire. Mon malade, mon lolili, mon connu à Quran, mon apota, mon YouTube. Djali, t'as inscrit, ni t'as payé. T'as pour casse papa. Tu es capable de tout ça, là, de l'information, de tout. Tu n'écoutes quoi? Oh, capable d'écouter comme un malade. Hein? Pour écouter l'information comme malade, tu connais un roi. Mais pour écouter courant quand tu es malade, tu ne te connais pas. Bien, bien, le maca, tu m'en imam, ça. Tu veux que c'est très carré? Combien de choses y étaient avec YouTube, là? Mais seulement pour lui écouter le Coran. Mon père n'a pas eu. Tout très carré, les tirer. Mais ça, moi-même qui vous connais. Est-ce que la maladie peut rapprocher moi avec Allah ou bien peut éloigner moi avec Allah? Troisième petite chose qui nous apprend comme une introduction, chers frères, concernant la maladie, c'est hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit. Peine à une difficulté qui touche les enfants Adam. Qu'il y soit une tristesse, qu'il y soit un chagrin, qu'il y soit la fatigue, qu'il y soit même une pine qui pique. Excepté que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne un péché, récompense-le, augmente ce daraja pour ça. Peine à un croyant. Qui gagne n'importe qui difficulté, n'importe qui chagrin, n'importe qui tristesse,
Jusqu'à même quand il est fatigué. Vous mettez dans votre corps au travail, vous venez là. Ça fatigue là, là. À l'argon, bon, pour ça là. La fatigue. Combien de frères pour minute? Là, un exemple, un travail chauffeur. Une journée reste conduire. Et tu arrives, tu es arrivé. Vous connaissez l'argon, bon, pour ça là. Combien de frères travaillent, ça fait les poids, soyez sac. Combien? Ça, qu'un d'autre. Ça fatigue qui vous gagnez là, là. Même la fatigue morale, au travail comptable. Qui n'a fait? Moi, je trouve chiffre en plus. Chiffre en plus, ça veut dire baracate, ça avait tout mal compté. Je ne vais pas faire les salaires car avant la fin de baracate. Chiffre en plus, ça veut dire baracate, ça. Tout mal compté, récompté. Trois coups, quatre coups de béret compté, pas trouver réel à côté. Ça fatigue, lui là, oui, non. Ça qui me fatigue, à la récompense, toi, pour ça. C'est pour ça qu'Abu Hurayra, radiallahu anhu, va nous dire de toute maladie, vous oubliez qu'on a la fièvre. De toute maladie, vous oubliez qu'on a la fièvre. Comment on a dit, mais qui fait? Il dit, parce que quand vous avez la fièvre, on tient vos lécos malades. Mais Allah pardonne tous vos péchés, on tient vos lécos. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Quand on dit que les dents font mal, la tête fait mal, la coupe a fait de oui là. Mais la main est bien bon, oui non? Quand la tête fait mal, les tatasnes, les thermosènes, les bois de panadol, il est bien bon, c'est mal dit. Mais c'est pas quand on a la fièvre, quand tout ce qui est arrivé. Mais tout ça, monde qui est malade là, tout bon péché qui nous fait tout, à la paix de tout là. Il dit à quoi ça, vous content? De toute maladie, vous préférez hein? La fièvre? Donc, tout retour nos façons qui nous péguent. Ça, ça malade là. Troisième ou bien quatrième, moi je rappelle comme il arrivait. Demain, qu'il soit pour nous ou bien pour l'autre personne, quand on est malade, à la pharmacie, à la docteur, tout ça là c'est permissible. Mais seulement parmi, ben plus grand guérison, get sa boîte devant la porte. Pas ici, c'est ici seulement, hein? Tant je demain, on n'arrête pas que ça, tant la guérison ici. Non, non. Sa boîte devant la porte là. Veut dire sa boîte qui nous appelle donne ça d'accord. Chef, elle ne ben plus grand guérison qui est dans ça. Ou malade, prends 20 roupies, donne un dimoun pauvre, avec l'intention Allah de maman guérison. Papa malade, maman malade, donne grâce, donne sadaqa. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, guérisse de ban malade par sadaqa. N'importe qui malade. En deux mots, parik moi ban habitué dire où, que de nous de lui prendre, le sac 4 temps toujours on est renouvelé. Hein. Mais papa malade, le sac n'a pas renouvelé sur guérison là moi. Le sac n'a pas fait aller. Parmi tout bande guérison qui est là, c'est donne ça là, quoi frère. Et dernière petite chose qui nous apprend pour aujourd'hui, parce que ça c'est une petite chose qui nous témoigne devant nous. Pour l'amour, affection, nous capables d'avoir une tendance, on dirait, redire la corde un petit peu là, mais pas faire ça réel. C'est quoi? C'est force un dimoun pour manger boire quand il est malade. La bande d'enfants qui vous content dans ce hadith là. Parce qu'il y a une tendance quand on dit, non, tu es obligé de manger de boire médecine là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, non, pas force un dimoun quand il est malade pour manger boire. Quand certainement Allah peut donner sa nourriture. Subhanallah. Pas veut dire qu'il est allé ou dire, voilà, fais-moi malade. Non. Mais seulement quand on est malade, ça qui peut prendre compte là. Allah qui peut prendre compte, il peut de nous manger. La cause de l'évangile, c'est nous pas faux, c'est du monde quand on est malade, pour lui manger pour. Allah peut donner sa guérison. Mais si Allah peut donner sa guérison, ah, sorry, Allah peut donner sa manger pour, mais ça qui peut prendre sa responsabilité là. C'est pour ça, à ce nous retournons l'autre des gemmes.
Si Allah peut donner toi manger boire, mais c'est pas bien manger ni du tout. Te parler bien à manger, même tu es malade. Te parler écouter que tu es courant, même tu as toute facilité. Mais depuis de temps manger boire, il n'est pour l'octobre master, oui non. Il n'est pour l'octobre. Donc ça, chers frères, comment nous dire, c'est une façon qui nous dit une introduction pour nous comprendre. Maladie, c'est pas une malade. Maladie, c'est une étape dans la vie qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous passer. Pareil que moi, quand nous en bonne santé, pour guetter seulement dans ce moment-là, est-ce que tout l'adoration continue ou bien les diminuer sans qu'on bat les autres récompenses qui est attachée avec lui. Et Inch'Allah, l'autre semaine, nous continuons avec Okoban la loi qui vient de sa façon-là. Et là, quand nous voulons dire ban la loi, toujours on finit de nous donner l'idée. Quoi, mon Dieu, depuis le début, tant que nous avons tendance à rater namaz quand nous sommes malades, nous trouvons une facilité qui vient pour faire namaz quand nous sommes malades en servant Tayammum, en servant faire 4 rakat, 20 rakat, ou bien faire lui même en dormant, ou bien même réunir ban namaz. Tout ça facilité là, c'est pour ne pas rater namaz quand nous sommes malades. Parmi les grands doigts qui nous fait, chers frères, ou la dernière namaz qui te prescrit de nous. Pas faire nous rater avant qu'il nous vienne de nous. Vous connaissez déjà la dernière namaz qui nous a fait la terre, nous nous rater la cause, nous bien soit disant nous sommes malades, pas pour un plus grand perdon, quelqu'un qui rate ce dernier namaz, qu'elle la protège nous contre ça, qualité action là. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.